Eh bien, bonjour à vous tous, à tous et vous toutes, à toutes. Ici Gogan et Silver Cloud, sur Qu'il est con TV, bien sûr. Après quelques jours merveilleux passés à la baie d'Along, précisément sur l'île de Katba, nous avons pris place à bord d'un bus local en direction de l'aéroport Katbi de Haiphong pour déplacement direction le sud, précisément à Nha Trang, où nous atterrirons en fin de journée autour des 16h30, quelque chose comme ça. Donc voilà, avec beaucoup de tristesse, nous laissons cette île de Katba. Absolument magnifique, absolument merveilleux, c'est zen, c'est bien. Ouais. Nous recommandons. C'était Gogan Silver Cloud pour Qu'il est con voyage sur Qu'il est con TV. Et bien voilà, comme nous avons quelques minutes à tuer, nous avons décidé de profiter d'un fauteuil massant puissant. Et j'y retourne, ça fait vraiment du bien. Et bien bonsoir à vous tous, à tous et vous toutes, à toutes. Ici Gogan Silver Cloud depuis Nha Trang où nous venons d'arriver. Nous sommes à... Alors là, la production de Qu'il est con TV a mis les grands moyens. Nous sommes à l'hôtel Sheraton, au 24e étage. La plage est magnifique. Je sais pas comment ça donne. Il commence un peu à faire nuit, là. Et de l'autre côté, donc, on a la ville qui est juste là. C'est juste magnifique. Je vais vous faire un petit topo de la chambre avant qu'ils nous la remplissent de bagages. Parce que, vraiment, non, c'est beau. Production de Qu'il est con TV, nous vous remercions, satisfait. Je vous laisse découvrir la chambre. Donc ici nous avons le couloir d'entrée avec ma fidèle assistante là-bas. Bonjour fidèle assistante. Voilà. Et puis la salle de bain, c'est juste magique, c'est très beau. C'est très très beau. Bon, on va me voir un peu dans le miroir, c'est dommage, mais bon, c'est comme ça. Avec la baignoire qui donne sur la chambre à coucher, ça j'adore. Je trouve ça génial. C'est génial. Hein? Là, de l'autre côté, forcément, la douche. Hein. Voilà. Non, dans la pénombre, c'est joli, c'est joli dans la pénombre. Ouais, peut-être qu'on peut. On va déjà trouver les boutons. Et voilà. Et ensuite, donc, on a la chambre. Hein. Voilà. On va pas dire que c'est lambda, hein. C'est joli, c'est bien décoré, c'est joli, c'est très très beau. Voilà, de quoi se restaurer le matin de bonne heure. Bon, parce qu'il faut savoir qu'on est au club Sheraton quand même. Là. On a des petits avantages, je les ai encore pas tous compris, mais on a pas mal de petits avantages. C'est sympa comme tout. Tiens, va ouvrir. Ah oui. Pour l'accueil, on a des macarons. Ils vont pas faire long feu. Et puis, je vous refais un petit coup la vue, là. Je vais pouvoir décoller directement d'ici avec le drone. Ça va être génial. Voilà. Le Vietnam, c'est aussi ça. C'est génial. Voilà, nous ne manquerons pas de vous faire découvrir les alentours. C'était Gogan Silver Cloud pour Qu'il est con voyage sur Qu'il est con TV. Eh bien, bonjour à vous tous, à tous et vous toutes, à toutes. Ici Gogan Silver Cloud de décoiffé pour Qu'il est con voyage sur Qu'il est con TV pour notre première journée ici à Nha Trang dans le Vietnam, dans le sud Vietnam. Nous nous apprêtons après un copieux petit déjeuner à nous rendre à la salle de sport. Mais oui, à la salle de sport pour tester ça. Et puis remettre un petit peu nos petits corps d'aplomb. Voilà. Petit déjeuner. Alors, le buffet énorme, je vous le ferai voir. Et par contre, la nourriture locale, je suis habitué à manger fort, mais épicé. Très épicé.
J'entendais en mangeant, j'entendais ma belle-fille me dire non, papa, pas fort, pas fort. Ouais, si, fort. Oui, non, non, c'était. Ouais, c'est épuisé. Voilà. Donc, on se retrouve à la salle de sport pendant que vous dormez. D'un sommeil réparateur est certainement bien mérité. C'était Kogan Silvercloud pour Qu'il est qu'on voyage sur Qu'il est qu'on TV. Ah oui, et on a parté. En fait, lorsque l'on est parti, qu'on a quitté l'Europe, juste avant, bah, comme toujours, je suis un adepte du rasage et de l'épilation. Donc, bah, forcément, voilà. Et puis, dans l'avion, je me suis dit, mais je me vois en train de me raser la première aisselle. Et mais je ne me vois pas en train de me raser la seconde aisselle. J'ai oublié, j'y vais, hein. J'y vais. Eh bien bonjour à vous tous, à tous et vous toutes, à toutes, ici Kogan Silvercloud, toujours en direct de Nha Trang, Sud-Vietnam. Comme promis hier, donc je vais vous présenter la salle de petit déjeuner ce matin. Comme vous pouvez le constater, vraiment de quoi rassasier toutes les bouches les plus difficiles. C'était Kogan Silvercloud pour Qu'il est qu'on voyage sur Qu'il est qu'on TV. Bonjour à vous tous, à tous et vous toutes, à toutes, ici Kogan Silvercloud en direct d'une voiture Grab qui pour nous rendre en fait à la pagode de Nha Trang. Et ma foi, c'est l'occasion de tester l'équivalent Uber asiatique et ça marche fort bien. Il était juste en face de l'hôtel. Jusque là tout va bien, il roule bien, la voiture est confortable, la voiture est propre et c'est tout ce qu'on demande. Voilà. C'était Kogan Silvercloud pour Qu'il est qu'on voyage sur Qu'il est qu'on TV. On se retrouve au temple. Voilà, nous sommes à la pagode l'ensemble de Nha Trang et je vais vous faire découvrir ça. Bien, bonsoir à vous tous, à tous et vous toutes, à toutes, ici Kogan Silvercloud en direct du rooftop du 28e étage du Sheraton à Nha Trang, Vietnam, où il y a une vue absolument somptueuse. Nous sommes montés ce soir pour prendre un apéro. Apéro bravo.
et surtout aussi pour vous faire un petit peu profiter de la vue absolument somptueuse qu'on a ici. Je vais tourner un peu le truc là, que vous voyez un petit peu le... Voilà. Ma fidèle assistante. Bonjour fidèle assistante. Hein ? Voilà. Il y a un truc qui fait très bizarre en fait, c'est qu'on... On est comme un peu à marcher sur des œufs parce que ouais, ça fait haut quand même quand on n'a pas l'habitude. Et par contre, ouais, c'est absolument magnifique, c'est magique. Il y a un peu de nuages derrière, mais rien de grave, il fait super bon. Il y a du vent forcément, on est en altitude. Et d'ailleurs, le rooftop s'appelle Altitude. Et voilà, pour la petite anecdote. Bon, je vais pas traîner plus longtemps. 28e étage, oui, joli. Fidèle assistante, suit. Et... voilà, j'ai dit je voulais pas traîner plus longtemps et surtout santé à cette troisième soirée à Natrang. Il nous en reste encore deux, pas mal. Ensuite on bougera sur Ho Chi Minh. À votre santé. Oui, j'interromps le cours normal des émissions de Kinécon TV pour en fait vous signifier que dans notre chance habituelle, n'est-ce pas, nous sommes tombés durant le happy hour, ce qui veut dire que on a droit à un deuxième mojito. Pardon. Oui, on me souffle à l'oreillette que c'est un mojito. Bah, ça ressemble à un mojito. Enfin, voilà. Bonne soirée à tous et santé. Alors, donc ici, on va traverser la route que vous voyez là. À savoir que le piéton, il n'a qu'un droit, c'est celui de fermer sa gueule. Quoi. Et de marcher vite et, ou alors courir en slalom. Alors ici on a trouvé un passage piéton. Le passage piéton, c'est pas l'endroit où tu risques rien, c'est l'endroit où tu risques moins. Ah bon. Là on a des courageux qui se sont lancés. Hein. Voilà. Voilà, c'est fait, on est vivant, on a traversé, on est de l'autre côté. Bonjour à vous tous, à tous et vous toutes, à toutes, ici Kogan Silver Cloud, à nouveau dans une Toyota Vios Cab, en direction d'un petit restaurant au bord du fleuve où nous allons rejoindre un expatrié azuréen et sa petite famille pour un déjeuner au bord de l'eau, tout simplement. C'est assez génial, on l'a déjà rencontré hier soir, et c'est assez génial en fait de rencontrer quelqu'un de chez soi comme ça à l'autre bout du monde et... C'est vraiment super, c'est excellent. En plus, il loue des appartements Airbnb et comme c'est quelqu'un qui laisse rien au hasard, donc je peux que le recommander. Voilà. C'était Kogan Silver Cloud pour Kinécon Voyage sur Kinécon TV. On se retrouve plus tard au restaurant au bord de l'eau. Alors, comme je vous l'exprimais tout à l'heure, on a pris place à bord d'un petit canot pour normalement traverser le fleuve pour aller manger. On a décidé à l'initiative d'Alex d'aller faire un petit tour sur le fleuve, et c'est vrai qu'on aurait eu tort en privé, je vous laisse découvrir les images.
Donc voilà en gros tout ce qu'il en reste. C'était notre pas. C'était, ce fut. Et voilà, nous sommes revenus donc de notre petite balade et notre délicieux dîner. Encore une fois, merci à Alex et sa charmante épouse pour ces super moments. C'est vraiment génial de pouvoir profiter à l'autre bout du monde comme ça, de conseils avisés et puis de leur histoire au Vietnam et de leurs conseils finalement. Leur vision du Vietnam à eux. Le Vietnam tel qu'il est vécu, tel qu'il peut être vécu par des expats. C'était génial. En plus, ce sont des gens sensationnels, vraiment. Et là, nous sommes redescendus avant de faire nos valises pour partir sur Ho Chi Minh, Saigon. Nous sommes redescendus à la piscine pour profiter d'un petit cocktail. Et y a un petit peu de vent, hein. Et ma fidèle assistante me disait justement, oh là là, quand je me lève, ça fait bouger tout ça. Je dis non, ça c'est pas le vent, ça s'appelle l'alcool. Ouais, c'est ça. On met la faute sur le vent, mais non. Ça c'est le Mai Tai. Et puis voilà. Donc les réjouissances qui vont suivre, c'est de faire nos bagages avec tristesse. Ah oui, juste une chose. On voit ici et là fleurir des commentaires. Ouah, Natrang, c'est à fuir. Natrang, c'est bétonné. C'est que des conneries. Il faut aussi laisser des pays tels que le Vietnam sortir de leur rizière finalement et puis montrer de quoi ils sont capables. Et puis croyez-moi que c'est un pays qui est très 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 capable. C'est le pays au monde qui a la plus grande croissance, hein, le Vietnam. Alors certes, il y a des grands hôtels, tout ça, mais il y a quand même des grands parcs, il y a un jardin qui fait la longueur de la prom ici. Ça fait 7 km avec une plage absolument somptueuse qui n'a rien à envier à celle de Copacabana. Donc il faut arrêter de dire Natrang à fuir. Natrang, c'est à voir, c'est à faire. Et puis pour ceux qui veulent vraiment de l'authentique, il n'y a pas besoin d'aller loin de Natrang pour en trouver. On en trouve pas loin d'ici avec de l'authenticité. Donc, et l'authenticité, il y en a aussi en ville. C'est ça aussi le Vietnam. Voilà. Donc, pour une dernière fois, c'était Kogan Silver Cloud depuis le Sheraton de Natrang pour Qu'il est qu'on voyage sur Qu'il est qu'on TV.